Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord aujourd'hui de cette Airbus A320. Actuellement on est donc à l'aéroport donc de Toronto et on va s'envoler vers Montréal. Donc au total ça fait 45 minutes de vol. Si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est 45 minutes de vol avec un bloc fuel à presque 5 tonnes, on a 4 tonnes 900. Donc voilà, avec cette magnifique livrée de chez Air Canada. Ok, donc du coup on est dans notre cockpit. On peut passer ici donc sur la checklist. On vérifie juste que le parking brake est bien set, c'est nickel. Et du coup on peut faire notre checklist. Alors on peut déjà aligner nos IRS. Je vous l'ai pas dit, mais on est bien entendu sur l'external power. Tac tac tac. Du coup, l'électrique hydraulique pompe, les fuel pompes. Les fuel pompes, on peut les mettre sur on. L'électrique pompe, du coup, on la met ceci sur on. Les générateurs, ils sont bien sur fault. Et donc on. Pack 1 and 2 on et un fault, nickel. Les engine bleed 1 and 2, ils sont bien sur on et le hot air est également sur on. Tac tac tac. Alors les engines et les wing anti-ice sont sur off ainsi que le prop heat. On peut armer ceci, donc les Amanchi Light, mettre ceci sur on, faire nos tests. Engine one fire, APU pardon, et engine 2, et on est nickel. On peut également tester nos lumières, nickel. Tac, on peut mettre nos navigation lights. Ensuite, au niveau du fuel call, on peut appeler le tracteur. Enfin, le fuel truck plutôt, c'est un truck, c'est un camion. Et on a 5000 pour ce vol. 5007. Voilà, nickel, on va aligner nos IRS quand même. Du coup aujourd'hui on part de Toronto. Tac tac tac, Z jusqu'à Montréal, c'est Y. U oula oula UL return IRS init. On peut les aligner, nickel, chrome. Notre flight number, ce sera AK402. Le cost index de 70. Et on a un niveau de vol à 330. Nickel. Alors, au niveau du zero fuel weight, on peut le request. Puisqu'ici, le fuel. Ah, mais non. Enfin, parce qu'on a déjà tout rentré ici, pardon. Le fuel, ça n'a rien à voir. Mais, et je veux dire, ici, pour le fuel, eh ben, ça se fait automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de d'attendre. Je veux dire, le fuel est directement mis dans l'avion. Il n'y a pas un temps de chargement. Bref, du coup ici on est bon. Au niveau du flight plan, on aura un départ piste 15L avec comme seed. Alors on a juste un direct entre les seed Jetstar. Ça manque un petit vol aujourd'hui. Plus petit que le dernier qu'on avait fait en 320. Voilà. Et ensuite, on
Voilà, ici on a un direct du coup en direction donc de Milgo. Où est le G? Voilà, Milgo. Next waypoint, insert. Et on peut directement du coup rentrer notre arrivée qui se fera piste 28. Alors attendez. 28 sans ILS. Et on a ceci. Ah, et en fait ça c'est une... Ah d'accord, ok. C'est une trans du coup. Alors attendez. Du coup on va juste... Clear ceci. Ok. Ouais, je pense que on fera bien après. Alors, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Manual ici. Du coup, on a un... Attendez. Si on peut clear. Si du coup on peut pas clear. Peut-être essayer de faire un... On verra si on peut pas mettre un direct alors. Du coup on part du coup de la 15. Elle... Ouais, c'est ça en fait, on a un Victor. Donc c'est pas grave, donc on recessera au heading. Oups, moi bon, ça c'est pas grave. Perf. Notre take-off se fera flaps 1. Ça on le fera après. Et alors, ouais, il n'y a pas de d'autres pages pour les vents. Du coup, on peut request ceci. Laver un de 128. Et au niveau du flight plan, on est bon. Au niveau de la checklist, tac tac tac. Les flaps et speed break. Alors, voilà, ils sont bien sûr. Sont bien sur 0 et retract. Engine master 1 and 2 ils sont sur off et l'engine mode sector est bien sur. Ah nickel, ça c'est bien ça. Ça j'aimerais que ça m'arrange juste. Ok, nickel. C'est ça. Ok, d'accord. Pas de problème. On fera un manual jusque ce point-ci. Je crois qu'on fera d'ailleurs sans le pilote auto. Enfin, faut voir combien de tickets après. Alors, on va juste le remettre comme ceci. Les thrust levers sont bien sur idle, le transpondeur il est bien sur standby, on le voit bien ici.
Radio Control Planet, il est on. Les frequencies, on va dire qu'elles sont 7, mais ça n'a pas besoin. Les flight directors sont bien sur on. Le QNH, ça je l'ai pas encore fait. Alors, c'est YYZ Métard. Tac tac tac. Ah, j'ai pas écrit. C'est YYZ Métard. On a QNH 2021. Attendez, parce que. On est en. Au States. Donc on va le mettre en. En unité de mercure. Juste du coup. Faut que je convertisse ce qu'il me donne sur le site. Converti, j'ai pas prévu. Du coup, on est en hectopascal. Ce qui nous fait. On a combien? On avait 1021. 1021. Donc, on a 30. 15 inch. Hop là, voilà. Non, c'est bon. Ouais. Le QNH, donc il est bien 7. Ici, du coup, on est bon. Et on est bon pour la before start. Alors juste un truc. On peut le remove. Ici. On va juste remove celle de derrière. Ouais, non, en fait, on va remove les deux même. Le fire test pour l'API, on l'a déjà fait du coup. On peut allumer notre APU. Voilà. On va attendre. Tout cas, magnifique livret de Air Canada que j'aime beaucoup. Alors juste un truc, on décolle du coup sur la 15L pour le pushback, c'est celle juste derrière nous. Non, ça c'est la 24. Du coup la 15 va être là alors. 33, c'est celle de l'autre côté. On décolle depuis là, et ça, c'est la left. Nickel. Donc, au niveau du pushback, on a un sacré pushback à faire. Enfin, un sacré taxi, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui demander. De ne pousser là et on va aller comme ça. Ok, nickel. Bon, j'ai un truc au niveau de l'API, on est bon du coup. API bleed sur on. On peut se débrancher de notre external power, enlever ceci et ceci. On peut également remove les shocks. Alors, les fuel il est bon, les shocks sont removed, traffic cone removed. L'API les start, l'API bleed est on, l'external power est bien off, les doors sont close. On peut allumer notre beacon. Et on va lui demander de commencer maintenant. Alors, on va se mettre ici à 10 000 pieds. On a une V2 à 135.
Tac, on a un heading. Ah, alors là, je n'en sais rien. Voilà. Il y a deux IA. La 15, elle, on a heading de 147. Oula. Lag. Ouais. Alors, on vient d'avoir un petit freeze là. Du coup, heading de 147. Nickel chrome. Et ici, on peut se mettre à 2500. So connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Et on va pouvoir commencer le startup. Et là, on a un avion qui décolle, on dirait bien. Alors, Starting pushback and you may start engine. nickel. Engine 2. Oh non, on a 747 qui atterrit, qui a un sacré piqué. On aurait le voir arriver. Wipe. Oh non, ça va encore en fait. Alors on est en avance comparé ce qu'on aurait dû avoir, mais c'est pas bien grave. Engine 1. Il vaut être trop tôt que trop tard. On va le laisser faire notre pushback. Operation complete. Set parking brake. On va pouvoir du coup set le parking brake comme il nous le demande. Alors, du coup, on peut remettre l'engine mode sector sur normal. Les anti-ice, on n'en a pas besoin. Nickel, la PB, on peut le mettre sur off. Ainsi que la PB master. Les spoilers, on peut. Les arm flaps 1. Le flight control, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Alors on va toucher à ça là, on va le remettre. Du coup les flight control, full up, full down, nutter, full left, full right, nutter.
Nickel, on est bon. Other left, other right, nature. Flight control sont bons. On peut faire la before taxi. La taxi clearance, elle est bien obtain. Auto brake, max. On peut mettre nos taxi lights sur run. Notre parking brake sur off. Et démarrer. Nickel, et on est parti du coup. Dans ce magnifique Airbus A320. Là, ici, on peut prendre à droite, gauche, pardon, et puis à droite. Tac. À droite maintenant. Oh, on a pris un peu large là, c'est pas grave. Et écoutez, je vais faire quand même un petit time lapse jusqu'à la gate parce que là ça va être assez... enfin jusqu'à la piste parce que là ça risque d'être un peu long. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc nous revoilà. On arrive donc au bois d'arrêt de la piste. Tac. Hop là. Voilà. Parking brake 7. Du coup là before take off. Ceci on peut mettre sur Teatera. Ah mais attendez en fait. J'ai oublié de mettre la fréquence transpondeur. Voilà, TATRA ici sur auto. Engine mode sector, on laisse sur normal. Tac tac tac. La takeoff elle est obtain. Et on va mettre les landing lights sur on. On. Takeoff. Hop là, on peut retirer le parking brake. On fait un petit rappel. Ok, personne. Approaching 1-5 left. C'est bien nous ça. On runway 1-5 left. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, clock sur on. C'était Toga.
V1 rotates. Europe. Climb. Hop là, on peut un peu réduire. Tac, on peut commencer notre virage. On peut un peu abaisser le nez également pour prendre de la vitesse. Flaps 0. Enfin, mélange d'anglais et de français. Hop là. S'il y a une check qui est un peu buggé, qui m'a un peu perturbé là. Alors le nose, on peut le mettre sur off. On n'avait pas éteint les packs. My bad. Du coup, spoiler, disarme. Les engines start. Engine mode sector, c'est toujours bon. Taxi light off. Les anti-air, on n'a pas besoin. Et les packs, bah, ils sont sur run. Hein. Alors on va juste devoir se réaligner un peu. Altimeter setting. On peut passer, pardon, en standard. Alors au niveau de notre fly plant, ah je peux pas le clear. On peut mettre un direct vers Alcout. Ah ah, moi qui veux pas. Hop là, on va un peu réduire notre descente. Alors on va juste mettre ceci. Juste un truc, c'est que on va être 1-5-4. Hop là. On va essayer de passer sur le point. Alors, est-ce qu'il va le prendre automatiquement ou pas? Telle est la question. Ouais, c'est ça, il a pas pris manuel.
Alors je sais bien si vous voulez que je fasse. Ah oui, ça on peut d'ailleurs mettre sur off, pardon. Je sais ce qu'il attendait de moi, le l'ordinateur de bord, mais le problème c'est que je ne sais pas. Non, 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 non. Tu... Voilà, c'est ça. On va essayer de supprimer du coup tous les points qui restent. Tac. On va garder leading en manuel. Alors juste un truc qu'on n'oublie pas, checklist du coup, les external lights c'est bon. Ok. Le seatbelt on l'enlèvera plus tard. Ok. Du coup, écoutez, on est bon. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que le volume du jeu va être pas trop fort. On fait une petite sortie dehors pour voir. Donc voilà, donc. Voilà. Magnifique en tout cas avion. Enfin, belle livrée en tout cas. De chez Air Canada. Donc moi écoutez, je vais vous laisser là et je vais vous reprendre une fois qu'on sera au-dessus de Montréal. De toute façon, ça va assez court, hein. Je ne vais pas en avoir pour longtemps. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, du coup, je vous reprends, on est actuellement à 13 700 pieds, on descend à 8 700, pardon, pour le prochain point qui est juste ici, Como. On doit réduire notre vitesse à 250 nœuds également. Et on va juste sortir les speed brakes, parce qu'on a vraiment réduire de vitesse là. Juste ici, on a un QNH de 30.03 inch, 8 degrés Celsius la température à Montréal. On aura 13 nœuds de vent pour 260 degrés. On a une transition à 6000. Et voilà, et alors ici on n'a pas d'ILS, je vous rappelle. Alors un truc aussi, j'avais oublié d'allumer mes strobes tout à l'heure au décollage. Je viens de le faire maintenant. Également en ce qui concerne le pilote auto, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les points qui étaient avant la reprise en manuel.
On va être un peu trop rapide au passage des 10 000, mais bon, tant pis. Normalement, d'être à 250. Donc oui, donc j'ai supprimé les points avant la reprise en manuel. Landing light on. 6, 9. Oui, donc je disais, j'ai supprimé mes points, ce qui fait que ça a supprimé la partie en manuel, et j'ai pu avoir un direct sur les points qui venaient, donc voilà. Donc si vous avez un problème comme ça, enfin c'est pas un problème, mais pour supprimer la partie manuelle, vous avez juste à supprimer les points qui viennent avant. Et puis voilà. Du coup, nous on descend à 2600 pieds minutes. On entame un nouveau virage. On arrive au-dessus de Montréal. Nickel, on peut enlever les speed brakes. Ensuite, on doit être à 3400 pour le prochain point. Petit freeze. De nouveau petit freeze. Voilà, c'est pas grave. On doit avoir l'aéroport. Ouais, c'est ça, il est juste là. Alors pourquoi ça freeze comme ça? S'il vous plaît. Peut-être qu'il charge la Seine à mon avis. Parce que le Montréal est assez gourmand. Voilà, l'aéroport est juste ici. Et nous on va atterrir comme cela. Sur cette piste là. Au milieu du jeu de qui. Donc on risque de passer au-dessus de cette piste là, normalement, ce qui serait logique. Alors oui, parce que moi je veux bien, mais... Du coup on a 30.03. C'est ce qu'on avait dit. Tac. Jamais compris comment on fait ici pour lui faire prendre la. La vitesse en manuel. Je serais bien là qui. Alors il va peut-être la prendre après. On peut attendre de sortir un cran de flaps. On va se mettre à 2005.
Voilà, nickel. Du coup, c'est ça, un flaps 1, c'est 230 nœuds. Et on sortira également après le virage, du coup, no landinger. Ici, on va faire un petit palier à cette altitude-ci. Alors, juste un truc aussi. Non, pardon. Approach. Flaps 1. Alors on peut armer nos speed break. Alors l'approche checklist extérieur light. On peut mettre les wings run. Ainsi que les runways. Le seat belt. On peut faire un léger rappel. Encore un peu attendre avant de commencer le virage. Ok, alors actuellement on a un cap. Donc. Alors attendez, 183. 203. Donc on va aller cap 13 du coup. On va faire deux fois 90. Simplement. Voilà. En avant, il y en a un peu bas. Bon, maintenant, c'est pas encore un trop gros problème. Après le virage, on pourra le prendre en manuel une fois qu'on sera bien établi au niveau du plan. Ok, nickel. Et ici, du coup, 283. En espérant qu'on ne overshoot pas le point. Non, ça devrait aller. Eh bien, nickel, ça. Attendez alors. On est beaucoup trop bas.
Je sais pas pourquoi il me donne des altitudes aussi basses que ça. C'est que le papillon là en face de nous, on devrait même. Il y a même un peu plus aller par là. Landinger down. Du coup, ici on peut mettre sur take-off. On a même un peu de mal à visualiser la piste tellement on est loin encore. Donc là, on va réduire. On va déjà réduire à 160. Hop là, un clan de flaps. On reprend du coup l'avion. Un clan de flaps. Non, c'est un peu laissé avoir là. C'est pas grave, hop là on va réduire à 149. Ouais vas-y. Quoi quand même. Prends ceci en manuel. Encore un cran de flaps. Non, au niveau du plan on est toujours trop. Du coup, les gears ils sont bien down. Flaps full. On va mettre les autres sur l'eau parce que ça a l'air assez court comme piste. Ok, nickel. On a récupéré le plan. Notre lac, on est un peu trop à droite, j'ai l'impression. Long landing, 5,000 feet remaining. 4,000 remaining. 3,000 remaining. Ok, reverse. Attendez, comment est-ce qu'on va accueillir ici? Oups, je pense pas qu'on puisse vacate sur la runway, mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on peut. C'était short hein, comme piste. Du coup, strop off, ceci. Pardon, sur off, taxi. Ok, ça, 174 pieds minutes. On a un peu décalé à la fin. Alors, attendez, on va essayer de vite, par contre, dégager. Alors, on a bien freiné, hein. Mais bon, ça va, c'était. On a fait un. On a flair, c'est pour ça qu'on a dû freiner assez violemment vers la fin. Mais globalement, ça s'est bien passé. Alors, ici, on peut retract. Ici aussi, off.
La cloque, on peut l'arrêter d'ailleurs. Ok. L'engine mode secteur, il est bien sur normal. Les flaps, on les avait à retract. Le transpondeur, il est sur standby. La température des freins, on l'a pas vérifié. On peut mettre ça sur off d'ailleurs. Ça également. Et voilà qui est donc fait. Là, on clear un peu le ce que l'ordinateur nous dit. Alors, où doit-on se mettre? J'ai pas l'impression que ces gates là soient vraiment, on va dire, prévus pour nous. On va aller là. Ici. Et ben nickel ça. Du coup on peut les retract maintenant. Si on peut mettre sur off. Écoutez, ce fut un vol relativement bon. L'atterrissage était relativement correct. Donc ça va, on a un peu flair. Mais c'est pas bien grave. Par contre, le freinage était assez violent. Ça, c'est sûr. Hop là. On va aller jusqu'à notre gate. Normalement, il y a les autogates ici. Ah, en tout cas, ce fut un meilleur atterrissage en termes de douceur que le premier qu'on avait fait dans cet avion, donc dans la première vidéo de la chaîne. Tac. Ça a l'air un peu grand ça comme gate pour nous. On va se mettre là plutôt. Alors on a des frises là. C'est pas vraiment marrant. Arrêtez les frises, merci. Hop là, on va pouvoir du coup tourner ici. Alors, il nous donne aucune info. J'espère que la gate fonctionne alors. On va voir. Du coup, ah, on a oublié d'allumer la PU. On peut vite l'allumer maintenant. Ben, on va devoir attendre un peu alors. C'est pas grave, ça nous permet du coup de faire le parking, la parking checklist. Taxi, on peut mettre sur off. Hop là, ici on peut se mettre sur la PU, on va attendre qu'il démarre gentiment. Alors j'ai des doutes sur la gate. Hein.
Je pense qu'on a pris la porte qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai déjà fait des tests avant et ça avait globalement l'air de marcher. Nickel. Du coup, on peut... Voilà, cut off ceci. Seatbelt off. Beacon off. Et la gate ne fonctionne pas. Nickel. J'ai vraiment choisi la bonne. Ah, c'est toujours ces coups de lag là. Ouais, j'avais un peu peur, j'avais le panneau qui fonctionnait pas là. Bon bah tant pis. Ce qu'on peut faire du coup, c'est mettre les cales. Hop là. On peut se brancher dessus. Et éteindre notre APU. Ainsi que nos fuel pumps. Et alors, ensuite, ah, du coup, il y aura un trou, c'est pas grave. Et donc voilà. Ça, c'est dommage pour la gate. Je sais pas si les autres fonctionnent, mais la dernière fois j'avais essayé, ça marchait, bon bizarre. J'aimerais bien que ça arrête de laguer comme ça pour la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Donc du coup, ce vol est terminé. Donc ça s'est du coup globalement bien passé, hein. Il y a eu quelques soucis comme d'habitude, mais bon, ce sont des soucis qui seront de moins en moins fréquents, je l'espère. En tout cas, on est bien online. Yes, ça c'est bien ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain vol. Allez, à plus.